N'oubliez pas le petit Nyama pouce bleu et le commentaire Team Nyamanguru pour faire partie de notre communauté. Bon visionnage. Salut à tous, ici Tsuko, ici les moines de la folie, et non, je vole aucune pomme. Hein. Bon, tout simplement, aujourd'hui, on m'a demandé aux filles, est-ce que la taille compte? Parce que c'est vrai que beaucoup de filles disent que les hommes petits, c'est pas mignon. Donc on va voir ça, hein, en direct. C'est parti. Hello, what's up? Fine, thanks. You're fine? Ok, salut, tu vas bien? Oui, ça va. Ça te rend bien, là? Oui, très bien, et okay, toi? Ok, bon, très bien. Salut Sista, tu vas bien? Oui. En tout cas, c'est un très bon haut, hein, moi j'aime bien. Merci. Alors voilà, question pour toi, est-ce que pour un homme, la taille compte pour toi? La taille de quoi? Je dirais qu'à partir du moment où il est plus petit que la meuf, c'est pas génial, mais s'il est un petit peu plus grand, ça va. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas les hommes petits. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent oui, les hommes petits, c'est pas très attirant. Non, beaucoup de filles disent ça, beaucoup de filles. Hein. Ouais, pour toi, on va dire que même si le mec est petit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Même aussi un passe-partout, passe-muraille. Ah, c'est un peu limite. Ah, ça doit te voir, hein, jeune fille, ça doit te voir. Est-ce que taille compte? Bah oui. Ça oui, compte? Pour moi, ça compte, ouais. Parce que beaucoup de filles disent, ouais, quand c'est trop petit, c'est pas bien. Ça dépend. Tu parles de la taille physique? C'est bon, je rigole, c'est bon. À toi de voir de quelle taille tu parles. C'est bon, je rigole. Hein, alors, du coup, t'as quoi? Non, c'est pas important, je pense. T'es sûr? Non, franchement, non. Non, forcément. T'es sûr que la taille, ça compte pas? Non, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent oui, quand c'est trop petit, c'est pas bien. C'est vrai que quand c'est grand, c'est mieux. Quand un garçon est grand, c'est mieux. Enfin, on se sent protégé, tout ça. Mais même si genre il est petit et musclé, tu te sens protégé aussi si il est petit et musclé, ça va? C'est vrai, ouais. Not important at all. Because many girls say yes, I can't, you know, be in a relation with a small guy, you know. For you, the height is important. No, not at all. Oh, interesting. Okay, interesting. It's a minor thing. Minor thing, okay. Yeah. For you. Oui, j'aime bien les grands. Ça. Ah, les petits, non, pas du tout alors, malheureusement. Non. Même si les petits ont une super personnalité. Ce sera bien et ça pourrait devenir mon ami, mais ouais, c'est important la taille pour moi. Aïe, putain, les pauvres. La taille. Est-ce que la taille compte? Ah. Oui. D'accord, parce que souvent les filles disent ouais mais quand c'est trop petit c'est pas bien. Bah je te parle de la taille humaine. Hein. Non mais oui, je sais. C'est plaisir hein. Non c'est pas important. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui disent que oui quand ils sont trop petits c'est pas bien. Non parce que moi je pense que c'est d'abord la personne, là, ce qu'elle dégage et si elle te plaît quoi. Après bon, je comprends qu'il y a des meufs qui veulent un mec plus grand parce que ça fait protecteur, etc. Mais moi je m'arrête pas à ça. Donc si pour toi un homme est plus petit, c'est pas grave pour toi. Tu dis non. Ok. Ouais. Ah c'est cool, je ça fait plaisir. Okay. Hein. Ouais. Ah, bah, s'il me plaît et que ça va plus loin que le physique, quoi, c'est bon. La taille et hauteur? Je ne dirais rien. Parce que pour toi, la taille compte, du coup. Hein. T'as un peu l'esprit mal placé. Non. Comment on va dire que la taille humaine? Taille humaine. Oui. Comment ça dépend? Comment ça? Dis-moi. Bah un mec grand de taille, c'est toujours bien. Mais les petits aussi, ils peuvent être mignons, ils peuvent être sympas, non, les petits. Non, la taille ça compte beaucoup, non. Mais imagine qu'il est petit, mais qu'il est très gentil, il est très non, adorable. Ça passe non. Pas, non, malheureusement. Non. Ah, putain, ouais, c'est les pauvres, les petits, les pauvres. Bah, tu crois que tu comprennes autre chose? Bah, non. Hein? Non, non. Bah, franchement, enfin, ouais, c'est important. Enfin. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Dis-moi. Bah, en fait, les gars, parfois, ils peuvent avoir des complexes, en fait. Enfin, si la fille, elle est trop grande, enfin, ou même plus grande que lui. Oui. Parce que souvent ils disent que les hommes petits c'est pas très attirant, mais pourquoi? Imagine que les petits, mais il est genre archi sympa, il a une bonne personnalité. Oui. Mais enfin, n'y vaut rien qu'on marche ensemble, qu'il soit à la même hauteur ou un peu plus grand, c'est mieux. Donc pour toi, même s'il est petit, qu'il a une super personnalité, c'est pas top pour toi. Oui, ça peut être un handicap en effet. Aucun homme. Bah oui. Mais comment ça? Comment ça? Ben il va pas, ça va pas être un nom. À côté de moi, je suis petite déjà. Parce que le problème, c'est qu'il y a genre, plein de filles qui disent ouais, les hommes petits, c'est pas attirant. Mais pour toi. C'est pas attirant. Ah bon? Même si genre il est sympa, il est doué, il est confiant, non? Si, mais après. Petit musclé, ça va ou pas? Les non, petits. Non. Que c'était plutôt lié en fait à la société. Mmh. Et en fait, vu que. Bah. Enfin, ça a toujours été comme ça en fait. Enfin, l'homme il devait toujours être plus grand que la femme, enfin, dominer la femme et tout. Bah, ça pose des complexes en fait à l'homme d'avoir une femme plus petite, enfin, plus grande plutôt que lui. Et du coup, pour toi, c'est quoi les conseils pour les hommes petits? Pour draguer ou compagnie? Trouver une femme qui aime les hommes petits, il doit y en avoir, non? C'est un peu dur, hein, mais bon, on va trouver aussi. Hein, bon. Je suis honnête. Hein. Ouais. Même s'ils sont musclés, même s'ils ont. J'aime pas les muscles. Ah, t'aimes pas? Non, j'aime pas les muscles. Après, j'aime. Enfin, quoi. Ouais, après, j'aime pas les mecs trop grands non plus, donc. Genre une taille un peu comme toi, à peu près. Ouais, quoi. C'est ça, voilà. C'est bien. Parce que
il peut être petit et être par exemple super sympa ou être musclé, on n'en sait rien. Pourquoi les petits ça voit pas? Ben je sais pas, je pense que traditionnellement c'est vrai que les hommes sont plus grands que les femmes et du coup ça peut faire bizarre s'il est plus petit, mais c'est vrai que s'il a plein d'autres qualités, il n'y a pas de souci. Ah ouais, c'est dur hein. Donc faut qu'il soit plus grand que toi ou même taille? Plus grand que moi. Et ouais. Ouais, d'accord, ok, ouais, t'es compliqué quand même hein. Mais je fais un mètre, même pas 1m54, je suis trop petite. Donc du coup alors ils font comment les hommes petits pour draguer? Ils font quoi? Ils vont quoi pour draguer parce qu'ils sont petits donc ils vont comment? Ils draguent pas, je sais pas, ils se cachent. Ah ouais, en tout cas merci à toi. Hein. Les petits font comment les petits alors, ils font comment? Bah ils cherchent des filles de leur taille. Oh, d'accord, ok, ouais d'accord. Des minettes. Donc, merci en tout cas, merci hein. Je vous en prie. Quoi, dire qu'un homme petit pour toi c'est oui ou non du coup? Enfin je sais pas, ça dépend enfin de l'écart en fait. De l'écart de l'écart de la grandeur. D'accord. Même s'il est mignon, non quoi. Je sais pas. Okay, je sais pas. Mais après j'avoue le physique c'est pas ce qu'on devrait regarder en premier. Enfin, surtout d'accord. La personnalité, tout ça. D'accord. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez bien sûr un petit nia, pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo. Et la pomme, je vais la garder. Hein. Allez, ciao la famille. Alors qui veut filmer? C'est un voleur. Ah moi j'ai rien fait hein.